Ouais, coucou tout le monde, ça va, vous allez bien? Alors, je voulais faire cette vidéo ce soir parce que j'avais envie de vous montrer un peu l'avancement de mon opération de la scoliose. Comme vous voyez, j'ai toujours mon ami, le corset. Voilà, donc je voulais vous dire que ça fait plus d'un mois et demi que je me suis fait opérer. Et mon opération se passe super bien, je fais de la kiné, tout ça et tout. Je marche, je sors, tout ça. Bon, après, bien sûr. Quand vous avez du matériel dans le dos, ça c'est plus difficile parce que vous le sentez quand vous dormez. Après, c'est vrai qu'à force de porter le corset, ben, ça pèse lourd un petit, hein, mine de rien. Enfin, c'est pas que ça pèse lourd, c'est que ça pèse lourd sur le corps. Mine de rien sur les hanches, tout ça et tout. Donc c'est pas facile, je dois le garder encore 3 mois normalement. Tout dépend de ce que me dira le chirurgien et de ce que me dira le chirurgien et tout. Donc voilà. Après, peut pas porter de charge lourde, ça c'est sûr. Donc je verrai avec le chirurgien et tout et je vous dirai à peu près ce qui va se passer. Mais franchement, il y a de l'amélioration. 1 mois et demi, je marche, j'arrive à me lever, tout ça, j'arrive à aller aux toilettes, à mettre mes chaussettes. Bon, après, j'arrive pas encore réellement à fléchir correctement pour mettre mes chaussures, mais ça viendra. Donc voilà, mon opération de la scoliose, elle avance, elle s'est bien passée, c'est ce que je vous dis. Quand vous faites une opération, il faut toujours avoir le moral et se dire, elle va réussir. Vous la faites et après, vous avez le moral pour en sortir. Bon, après, elle peut se passer mal, je l'espère pas pour vous, mais en France, normalement, on a quand même de très bons médecins. On n'est pas dans un pays où la médecine, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en France, on reste quand même avec des bons médecins, avec de la bonne médecine, et contrairement à d'autres pays, quoi. D'autres pays où c'est la galère, où voilà quoi, où c'est difficile. Mais chez nous en France, quand même, on est gâté. Voilà. Donc, si vous faites cette opération, moi, je vous ai donné un peu toutes les étapes. Du moral jusqu'à. Voilà, je vous donne toutes les étapes. Je vous ai donné déjà toutes les étapes. Et là, je vous en donne encore. Jusqu'à mon rétablissement. Et vous verrez en combien de temps, normalement, bien sûr, on se rétablit de ce genre d'opération. Ok? Bon, sur ce, abonnez-vous et puis bon courage.